de temps et des circonstances, celui qui organise toutes choses. Alléluia. C'était prévu que nous puissions l'organiser la semaine passée, mais Dieu, dans son plan, il connaissait que c'était cette semaine. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te faire du bien pendant ce séminaire. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qualifiés, puissants, pour te parler. Alléluia. Et la qualité de ces hommes, ce sont des hommes de prière. Vous voyez, Totoyo Antonio, petit mais costaud, un homme de Shondo. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire à Shondo. Antonio, basé belé, je vous dis. Ce sont des gens puissants, remplis de la parole de Dieu. Et papa Mala, j'ai fini par comprendre que Bato Babiman intercession batte à Kamakasi. Parce qu'ils ont des moments de prière avec Dieu. Donc, Alléluia. Mais les hommes qui passent du temps dans la présence de Dieu, Dieu le loue toujours. Alléluia. Que Dieu soit béni. Père, bénis ce moment au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons une chose, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, notre thème, c'est la place du Saint-Esprit. Nous croyons au Dieu que le Saint-Esprit a une place de choix dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne. Saint-Esprit, pendant que nous allons prêcher, dirons, Seigneur, cette convention, manifeste-toi, manifeste-toi puissamment. La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Mais un jour, il y a eu un tout à coup. Père, je prie que pendant cette semaine, qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un, un tout à coup dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité et mes remerciements vont aussi vers l'homme de Dieu qui croit en nous, le pasteur Marcelo, ainsi que maman Blanche qui croit en nous, alléluia, et qui nous a demandé, nous a encouragé pendant toute cette période de crise et nous a demandé de même de reporter l'activité, alléluia. C'est un père pour nous, c'est un coach, il est tout pour nous, alléluia. Vous savez, il y a très longtemps que mon père n'est plus ici, il est en Europe. Et si je peux le dire, j'ai trouvé un père, c'est le pasteur Marcelo. Par beaucoup de choses, il me coach, il m'enseigne et j'apprends beaucoup de choses. Alléluia. Ce n'est pas seulement un pasteur pour moi, mais un père. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, je bénis l'homme de Dieu, papa Mala, notre ancien. Il est toujours là, un homme de prière pour nous soutenir, nous encadrer. Je bénis les hommes de Dieu. Marc, mon ami, mon jumeau Biou, et mon ami Paulin, les prophètes, alléluia. Il m'avait dit qu'il sera là spécialement pour nous. S'il est là, c'était vrai pour se reposer, mais aussi pour participer dans cette activité de Watchmen Convention. Amen, amen. Dis avec moi la place du Saint-Esprit dans la prière. La place du Saint-Esprit dans la prière. Nous allons lire quelques textes, nous allons nous tenir debout afin de lire les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il faut être sensible. Alléluia. Cela ne dépendra pas de moi, mais du Saint-Esprit. N'attends pas la fin du culte pour être touché, mais sois flexible. Alléluia. Sois flexible, sois avec une simplicité de cœur. Et le mot simplicité en grec, c'est aplotes, c'est-à-dire avec l'honnêteté d'esprit, sois libre. Avec une liberté, car il va te toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour toucher des personnes sensibles. Nous sommes dans Jean. Et dans les évangiles, c'est Jean qui a plus parlé du Saint-Esprit. Jean 14. Alléluia. À partir du verset 15, on peut commencer à partir du verset 15, c'est mieux. La Bible dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point et ne le
Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Nous sommes dans Jean 16. Alléluia. Rabba Santa Rabba Kantere Breshanda. Si possible, pouvons lire tous les chapitres, même à la maison, histoire de comprendre la pensée de Dieu. Et le verset 13 dit ceci: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Très rapidement, nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons Romains 8. Notre bien-aimé Antonio a très bien exploité ces textes. Romains 8, le verset 26 et le verset 27. La Bible dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans des faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 8. Tu peux lire tout le chapitre 6, mais nous lisons le verset 18 et le verset 19. La Bible dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hâtivement et librement les mystères de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Et même dans Jude, on dit: priez par le Saint-Esprit. Et pour terminer ma lecture, nous sommes dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 13. La Bible dit, plutôt à partir du verset 13: tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants et leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Manatia, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Israël et habitants de Jérusalem. Ô toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tis. Et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Saint-Esprit, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. La place du Saint-Esprit dans la prière. Cette convention est une convention de sentinelles, c'est-à-dire de gens qui sont appelés à prier, à se tenir à la brèche. Dieu, la Bible dit, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, c'est-à-dire une personne qui veille,
qu'il prie pour que les choses aillent bien. Alléluia. Dieu veut que quelqu'un se lève. Et l'instrument d'un intercesseur, d'une sentinelle, c'est la prière. Alléluia. C'est par la prière qu'il intercède. C'est par la prière qu'il se tient dans la présence de Dieu. Et la prière est un moyen qui permet à un intercesseur d'être en contact avec Dieu. Et lorsque nous parlons de la place du Saint-Esprit, le mot place ici veut simplement révéler le fait, l'importance qu'a le Saint-Esprit dans la prière. Étant donné que nous sommes des intercesseurs, quelle est la place ou quelle est l'importance du Saint-Esprit dans notre vie de prière? Alléluia! 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 Et quel est le rôle que joue le Saint-Esprit dans la prière? Bien-aimés, ma prédication aura deux volets. Premièrement, je vais parler d'abord sur quoi la prière et ensuite je veux parler du Saint-Esprit et donner son importance dans la prière pour conclure. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui a parlé de la marche dans l'Esprit, car nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a créés d'une telle façon qu'avant de faire quelque chose, nous voulons savoir quel sera le but et l'avantage que nous retirerons de la chose donnée, alléluia, de la chose que nous allons faire. Dieu a créé l'homme de telle façon qu'avant de faire quelque chose, il doit d'abord connaître quel est le but de la chose ou l'avantage qu'il va retirer de la chose. Alléluia, alléluia. Et bien aimé, voilà pourquoi Dieu nous pousse à prier, parce que la prière a de l'avantage. Alléluia. La prière est avantagée et la prière est quelque chose de vital. Lorsque l'apôtre Paul dit prier sans cesse, et quelque chose qu'on fait sans cesse, c'est qu'on dépend de la chose. De la même manière que tu dépends de la respiration. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Du reste, vivre, c'est respirer. Et étant donné que nous sommes de chrétiens ou de serviteurs de Dieu, bien aimé, il ne peut pas arriver un moment où tu vas te prier. Un homme de Dieu est appelé à prier. Donc la prière a une grande importance dans la vie d'un homme. Alléluia. La prière te permet d'ouvrir le ciel. Et lorsque nous étions en train de prier pendant la retraite, Dieu nous avait promis que cette convention sera une convention à ciel ouvert. Je suis en train de déclarer avant d'avancer que notre ciel est ouvert. Alléluia. Nous prions à ciel ouvert. Ce que Dieu va te répondre. Alléluia. Alléluia. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. D'être en communion avec Dieu. Mais avant de prier, nous devons avoir la motivation et le désir, bien-aimés, pour prier. La motivation va de pair toujours avec le désir. Alléluia. Pour commencer à prier, nous devons d'abord désirer. Désirer à prier. Désirer à prier. Beaucoup de gens ne désirent pas prier. Il manque le désir de prier. Ma prière ce soir, ce que Dieu donne, te donne le flamme ou la flamme de la prière. Alléluia. La flamme de la prière, le désir, l'acharnement de prier. La prière te permet d'être en contact avec Dieu, te permet d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Et cela doit être motivé par quelque chose. Alléluia. Alléluia. La prière te donne les avantages temporaires et les avantages éternels. Dans la Bible, on nous montre plusieurs personnes qui ont eu à prier. Des personnes comme de Moïse, toute la nuit, en train de prier. 40 jours à la montagne. Et un homme comme Josué, il passait du temps sous la montagne lorsque Moïse était au-dessus en train de prier. Lui également priait. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu a opéré de grandes choses dans la vie de ces hommes. Des personnes comme de Daniel, qui passait 3 jours. Pendant toute une journée, 3 fois, ils sont fermés pour prier, chercher la face de Dieu. Un homme comme Élie, c'est un homme versé dans la prière. Un homme qui savait, qui connaissait l'importance de la prière. Alléluia. La prière est comme une flamme continue qui doit nous donner la puissance de Dieu. Quand tu pries, bien-aimé, tu auras une puissance de Dieu. La prière te donne la puissance de Dieu. Alléluia. Et la prière, bien-aimé, transforme les situations difficiles. Alléluia. La prière nous permet de transformer les situations difficiles. La prière est un élément essentiel pour la vie de tout chrétien. La prière est l'élément essentiel.
Tout chrétien doit apprendre à prier. Alléluia. Sans la prière, tu ne pourras pas être en contact avec Dieu. Car la prière te permet d'entrer en communion avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la prière doit être ton premier choix. Nous sommes deux fois déçus. Beaucoup de gens commencent d'abord à faire des choses. Sali makambu a échoué. Après mardi à un bureau. Papa malata la faire nangao. Et simbite, est-ce que tu es bon de là? Pour n'aille prier, ils ont pris sa souka. Et c'est le cas souka faut raisonner. Bien-aimé, la prière doit être ton premier choix. Avant de commencer une chose, begin to pray. Tu dois d'abord commencer à prier. La prière, faut pas être à la souka. Mais prière, c'est le cas liboso faut bandaka. When I start my life. I begin to pray. Na lamuke loka liboso, il faut na prier. Na kosale loko mote soki na priété. Yebisanga téléphone nini sala ka suba charge en côté. Prier les charges électriques. Oh so so na lola. Oh so permettre pour opérer na journée wana. Yango bato bele bato tambo na journée, lobat. Ba bengi ka pam ka satana. A pambani. Parce que tu ne prends pas le temps de te recharger. Là-bas, je dois prier. Et la prière est le canal qui te donne la puissance de Dieu. La prière permet à Dieu de verser sa puissance dans ta vie. Si tu veux une vie de puissance, sois un homme de prière. Regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu à faire des exploits, c'était des hommes de prière. Tu dois désirer à prier. Et pendant la retraite, un homme de Dieu, Peter Ngoudi, nous a dit une chose formidable. Alors, regardez Pierre. Il a passé toute la nuit en train de pêcher, à jouer le côté. Mais lorsque Jésus-Christ est venu vers lui, il s'est fait dans les eaux profondes. Il a pu pêcher le poisson dans la journée. Nous sommes salés. Après, nous sommes dit, nous recommençons maintenant. Pécheur d'homme. Mais lorsque Jésus-Christ arrivait vers le temps, il fallait la sacrifier. Il a demandé à Pierre, matanene va prier. Oh, de Pierre à l'ali, à Coco Sambolaté. Yoke le roi Jésus, Abi Pierre, tu n'as même pas prié pendant une heure, toute la nuit. Yo pona makam mususu, oko péché mbisi toute la nuit. Mais si on a commis makam prière, oso kokate. Toute la nuit en train de pêcher les poissons à l'embatter, mais incapable de prier une heure pendant la nuit. Prière. Ce pays va changer par la prière. J'aime le dire comme mon ami Marc dit, la prière c'est amener le gouvernement de Dieu. Un homme qui prie gouverne les choses, amène la volonté de Dieu sur terre. Un homme qui prie prend le contrôle. Yamakambu nyoso. Yango biso to bengango sondo. Prayer. Oh my God. Alléluia. Et des hommes passionnés comme David qui pouvaient dire mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Alors, j'aimerais bien me tenir au seuil de ta porte. Abimievou na fanda, na kotite menas à ta pemene, que na zala mille ailleurs. Est-ce que tu as le désir de prière? Ma mission ce soir, c'est de réveiller la flamme de la prière. La Bible dit que le feu ne s'éteigne pas dans le temple. La prière est le feu qui doit être toujours allumé. Bien aimé, ce qu'on l'a lit, Satan a relié yo. Akolia yo. Réchauffe qui va pelisser en côté. Banzinti va côté les malicolo. Bako qui va salama kambuna bango. Mais va pelisser en kaka. Baya va fanda. Satan comme on a épais ses poules. Le prince des mouches. Soko linga sarana na fina yote. Banara go prie. Pelisser en babola. Pelisser en moto. Omona nera go kima fina yo. Tu dois prier. Tu dois prier. Naïbi Sabande, on a intercession. Prie quand tu veux. Prie quand tu as la force. Même quand tu es fatigué, fais quoi? Même quand Olembi Falanini.
Prayer. Tu dois prier. Oh Jésus. Hey. Hey Yahweh. Oh. Oh Seigneur. Il faut à la moto. Nous allons prier. Prier. La prière provoquera un changement dans votre vie. Et rien ne vous profitera plus que la prière. Écoute ceci. Par la prière, vous établissez un bilan en votre faveur à la banque spirituelle de Dieu. Quand tu pries, tu établis un bilan positif en ta faveur dans la banque spirituelle. Écoutez. Paul dit qu'il vous bénit de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux. Si vous en avez 10 francs au bon web, la poche. Mais si vous avez un milliard au bon web, l'eau les anime. Quand tu pries, donc tu entres aux obètes à code dans la banque. Aux obètes à gestionner en l'eau la Yeshu. Give me my money. Give me my son. Mais au salaman en cela, ya. Prière. Beaucoup de gens, parce qu'on soit bilan qu'on abandonne parce qu'ils ne prient pas. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin de souhaiter. Nous avons besoin de la pause au prier. Dieu ne répond pas aux souhaits. Dieu répond aux actes. Un désir profond. Parce que désir mon ardent et qu'on tient encore au sala. Alléluia. Nous avons besoin de la pause pour nous souhaiter. On est au monde abyssal par miracle et salam. Ah, c'est pour Chouan. Vanda nanda kukasi yo monango. Alléluia. C'est à must pray. Je dois prier, dis je dois prier. Et la prière, comme le dit dans Hébreu, la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Alléluia. Donc la prière, c'est aussi un travail. Quand tu pries, tu travailles. Et comme dans tout travail, il y a une rémunération. Donc quand tu pries, Dieu doit te payer. Dieu doit te rémunérer. Alléluia. Donc, Dieu va te payer. Il va te payer. Dieu paye bien ce facture. Afoutaka bien. Et le mot travail ne veut pas simplement dire le travail, le fait de travailler. Mais le mot travail aussi en médecine veut dire enfanter. Si on a sépé dans ma cambopo, et sa prière, et ne va pas enfanter, tu vas prendre 9e mois. Pour mouta bota, faut 9 mois. C'est que tout ça n'a. Aïe, 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 aïe. N'a so déclaré na fin na yo. Et loko est vendu 9 mois. Et comme il t'a ébima. Et ça la nine. N'a l'obi au copotango. Au copotango. Prayer. Prayer. Tant que tu vas prier, au bien, au sani. Biloko kopima. Obi tala moi si sera communata, tu n'as pas passe. Papa pona yebi, moi ça papa le wangai. Tout monde qui biloko ngou papa. Moi ça comme nenef moi. On a besoin de prier. Souffle wana. Oboy ba ko peso coca. Ba matelo na a, il faut bima. Pa au moni le to ko peso coca. To ko peso énergie spirituelle. Et loko e patama wana. Na prière alléluia yaya soko sa yo tele makanga makasa amen okopote lokwana. Oh my God, okopotango na lobio okopotango tala atayo za lokola roi Ezekias olobi les enfants sont dans mes seins mais je manque la force d'enfanter lelo za na force poto e kolobela ndeye. Tu es comme ta lende li solo na ye. Bible le dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais by my spirit. Yo muto za hésitation za ni force. Le lot ko révélo mu tapé sa force wana. O ko bota lo bana ko bota. Eh. Tu es ma sécurité. Alléluia. Eh. Dans cette prière
qui retient beaucoup d'avantages. La personne qui donne la puissance dans cette prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre efficaces. Un ministère sans le Saint-Esprit est un ministère inefficace. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie chrétienne inefficace. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Ce soir, ma prière, c'est que le Saint-Esprit se saisisse de quelqu'un. Sois libre, comme nous l'avons dit, aplotesse, avec simplicité, honnêteté de cœur. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Laisse-toi aller. Alléluia. Laisse-toi aller. C'est un esprit qui a commencé depuis le commencement de toutes choses. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais lui, il mouvait déjà. Alléluia. Et quand on a commencé à parler, il s'est mis à travailler. Moi, je suis en train de parler. Les hommes de Dieu viendront pour parler. Et le Saint-Esprit sera là pour exécuter le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu. Au fait, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas la colonne. Le Saint-Esprit n'est même pas le feu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Alléluia. Est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Parce que Dieu est donc Elohim dans sa pluralité, lorsque même on dit Dieu dit, et dans la version originaire veut dire Elohim. Et Elohim veut dire Dieu dans sa pluralité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle Dieu a dit, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Il est Dieu. Et comme il est Dieu, il possède aussi les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. La Bible dit, il sonde même les connaissances, les profondeurs de Dieu. Donc, il connaît toutes choses. La Bible dit, je puis tout par son esprit. Donc, le Saint-Esprit est omnipotent. Alléluia. Il a les attributs de Dieu. Il est Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, ce que la toute-puissance de Dieu est dans ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit, lorsqu'il intervient dans ta vie, ce que la toute-connaissance de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur terre. The most important personality. La personne la plus importante. Pourquoi je dis cela? Écoutez, Jésus veut s'en aller. Azoïe, c'est ma disciple. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, alléluia, un autre consolateur, il parle de mot autre. Le mot autre qui est utilisé ici, ça a deux sens. Plutôt, le mot autre a deux sens en grec. C'est allos et hétéros. Le mot hétéros veut dire un autre, d'une autre nature, d'une autre espèce. Mais le mot qui est utilisé là, c'est allos, qui veut dire un autre, mais de la même espèce que moi. Lorsque Jésus-Christ parler aux disciples pour leur dire que je vous enverrai un autre consolateur, cela voulait simplement dire que je vous enverrai un autre mot, mais peut-être sous une autre forme. Alléluia. Alors, il est avantagé. Le mot avantagé qui est utilisé ici, c'est opportun. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour toi que le Saint-Esprit vienne. Parce que là, Jésus ne sera pas là encore pour faire des miracles, mais il fera des miracles par toi. C'est une opportunité. Si ton père fait des choses, c'est bien. Mais si c'est toi qui les fais, c'est encore mieux. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si Jésus-Christ fait, c'est excellent. Mais s'il les fait par moi, c'est encore wonderful. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que c'est une opportunité pour vous que je m'en aille. Afin que le consolateur vienne. Et ce mot veut dire aussi paraclet. Paraclétos. Alléluia. Paraclétos veut dire simplement deux choses. Premièrement, celui qui est appelé à être à nos côtés, il est là. J'aimerais te dire que dans tes silences, dans tes recoins, là où tu te trouves seul, il est avec toi.
N'aie pas peur de faire quelque chose, car le Saint-Esprit est appelé à être avec toi. Il est appelé à vivre avec toi. Il est appelé à t'accompagner. Et le mot paraclétos veut dire aussi celui qui est appelé. Et le mot appelé ici veut dire appelé à t'aider, appelé à t'aider. Mais le sens original ici, c'est t'aider dans un tribunal. En fait, on parle lorsque quelqu'un est accusé à un tribunal moroboé et il manque des avocats. Alors qu'est-ce que cette personne faisait? Il regardait dans la salle pour voir quelqu'un qui peut l'aider. Alléluia. Et dès qu'il trouve cette personne, il appelle au secours à cette personne pour venir l'aider dans sa position de faiblesse. Alléluia. 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 Et le Saint-Esprit est cette personne qui vient t'aider dans des moments difficiles. Alléluia. Dans des moments difficiles. Le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Et nous comprenons que la prière doit se faire par esprit. Déjà, il y a deux moyens de prier. Il y a le moyen de prier par l'intelligence et aussi un autre moyen de prier par l'esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je prierai avec l'intelligence et je prierai par l'esprit. Et Jude le dit bien encore en disant, priez par le Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à prier par le Saint-Esprit, à prier dans le Saint-Esprit, à prier avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ne pries pas avec le Saint-Esprit, ta prière sera inefficace. Tous les avantages que je dis par rapport à la prière, tu l'auras lorsque le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la puissance. Il n'a pas la puissance, plutôt, il n'est pas la puissance, mais il est la source qui produit la puissance. Alléluia. Il n'est pas le feu, mais il est symbolisé aussi comme un feu. Parce que lorsqu'il vient, c'est aussi comme un feu qui est capable de brûler. Alléluia. Je vais chuter par là pour vous expliquer les images de l'esprit. Et c'est par là que nous allons prier. Alléluia. Expliquer l'esprit comme un feu, l'esprit comme le colon, l'esprit comme le vent et l'esprit comme le fleuve. Alléluia. Et c'est par là que nous allons chuter afin de nous permettre de prier. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Le Saint-Esprit est là pour nous donner l'énergie nécessaire afin de prier. Et lorsque vous priez, la Bible dit, faites en tout temps par esprit. Et lorsque la Bible dit cela, la Bible dit de prier en esprit. Et lorsqu'on prie en esprit, comme l'a dit le frère Antonio, que nous prions dans une langue que nous ne connaissons pas. Le symbole qu'ils ont reçu, les signes qu'ils ont reçus, lorsqu'ils étaient en train de prier, lorsqu'ils étaient en attente, ils avaient la promesse. La Bible dit dans le livre de Actes 2 que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont appelés au loin. Ils avaient la promesse. Le Saint-Esprit était promis. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, le Saint-Esprit s'est démontré par quelque chose. La Bible dit tout à coup, il y a eu de langues de feu. Le langue de feu, c'était un symbole que le Saint-Esprit était présent. Et les mots feu qu'on utilise là, ils ont image comme on peut désigner des barrages électriques qui sont responsables de la production du courant électrique. Alléluia. Au moins, Saint-Esprit, alors la cabine, les binotes, comment si mis sa vote derrière des morts. Il y a l'équi yango, à l'équi même inga, à l'équi barrage n'y a pas de sang. Il y a ça, danger, des morts jusqu'à l'enfer. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, bien aimé, personne ne peut te toucher. Ils ont reçu le feu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste par le feu. Et ils ont commencé à parler en langue, des prières en langue. Lorsque tu parles en langue, la Bible dit que tu dis des mystères à Dieu, que tu racontes des mystères à Dieu. Quelle est la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là premièrement pour t'annoncer la pensée de Dieu. La Bible dit, il vous annoncera tout ce qui vient de moi. Il est là pour te communiquer la pensée de Dieu. Quand tu pries, tu as besoin du Saint-Esprit, car il est là pour te communiquer la pensée de Dieu. La pensée de Dieu.
Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de gens échouent dans leur prière parce qu'ils prient sans le Saint-Esprit ou ils ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des expériences lorsque nous devenons chrétiens. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Mais il y a une autre expérience que Jean-Baptiste a appelée le baptême de feu. Là, le Saint-Esprit en toi sort pour affecter aussi les autres. Le Saint-Esprit en toi n'est pas là simplement pour t'impacter toi, mais il est là aussi pour impacter ton environnement. Et c'est alors qu'on parle du baptême de feu ou du baptême du Saint-Esprit. Et il est là pour te communiquer la pensée de Dieu. Tu ne peux pas prier selon ta propre pensée. Beaucoup de prières échouent parce que ce sont des prières qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Vérifie tes prières, cher intercesseur. Est-ce que tes prières sont motivées par le Saint-Esprit? Alléluia. Ta prière sera inefficace si ça ne provient pas du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé l'image que Antonio a donnée. Le Saint-Esprit intercède avec nous par des soupirs inexprimables. Et Jésus-Christ est là au-dessus, en train d'intercéder aussi pour nous. Donc le Saint-Esprit sait saisir la pensée de Dieu pour nous les communiquer afin de prier selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit juste, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Quand tu pries mal, c'est que tu pries en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu. Alléluia. 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 Et le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance dans la prière. Est là pour te donner l'énergie nécessaire dans la prière. Une prière qui manque le Saint-Esprit est une prière inefficace. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je comprends aussi une chose. Dans le livre de Chroniques 20, on nous parle d'une histoire de Josaphat. Cet homme, quelque temps, son pays a été attaqué. Et dans sa frayeur, il a convoqué un moment de prière, de jeûne. Ils priaient beaucoup, ils ont prié. Parce que la prière, comme nous l'avons dit, doit être notre premier choix. La prière doit être la première chose que nous devons faire. Alléluia. Notre premier choix. Si tu veux réussir, commence d'abord à prier. Mais lorsqu'ils ont commencé à prier, quelle est la place du Saint-Esprit dans leur prière? La Bible dit, un prophète s'est levé du nom des Géasiens pour leur donner la pensée de Dieu, pour leur communiquer l'instruction de Dieu. Alléluia. L'instruction de Dieu. Quand le Saint-Esprit te parle dans la prière, il va te donner la confiance. Il va te donner l'assurance et il va te donner la foi. C'est le Saint-Esprit même qui nous conduit à avoir la foi dans la prière. À avoir l'assurance. Et le mot assurance ici, c'est hypostasis. Hypostasis veut dire simplement un titre légal ou un document légal. Bien aimé, titre de propriété. Ce mot veut dire titre de propriété ou un document légal. Donc quand tu pries, le Saint-Esprit te donne la foi et cette foi te donne l'assurance jusqu'à avoir le titre de propriété. Alléluia. Beaucoup de gens sortent de leur prière sans avoir quelque chose parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Et l'assurance vient par le Saint-Esprit. Alléluia. La place du Saint-Esprit, c'est de te communiquer la pensée de Dieu et te donner même l'assurance que Dieu est en train d'agir. Dieu a la possibilité de te donner la victoire dans ton combat. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit. Deux fois quand tu pries, tu dois aussi laisser la place au Saint-Esprit de te parler. Écoutez, la Bible dit, personne ne connaît les choses d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Quand tu pries, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il te parle pour te donner cette assurance afin d'avancer encore plus loin, pour avoir de l'assurance. Et nous savons que la foi est l'élément essentiel dans la prière. Sans cela, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. Et le Saint-Esprit, j'aimerais terminer par là. Le Saint-Esprit a plusieurs images. Dis avec moi, image. Plusieurs images. Alléluia. Et la première image, le Saint-Esprit dans ta vie est comme un sceau, dit un sceau. Vous savez, pour qu'un document soit légal, il faudrait qu'il y ait un sceau. Alléluia. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est le sceau que nous avons reçu pour le jour de notre rédemption.
Donc lorsque tu pries, le Saint-Esprit donne le sceau. Il atteste que Dieu nzamba zwango. Ce qui déjà na vie na yo nzambe sa petit sceau, c'est que l'eau qu'on faut pousser d'un coup. La chose qui donne la valeur à ton document, c'est le sceau y a posé. Le Saint-Esprit dans la prière vient mettre le sceau. Il vient mettre le sceau. Alléluia. Et quand il met le sceau, il rend ta prière authentique. Il rend ta prière efficace. Il rend ta prière recevable. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais quand tu pries par le Saint-Esprit, il vient mettre un sceau. Il vient approuver. Alléluia. Pourquoi? C'est par l'Esprit que nous sommes appelés enfants de Dieu. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et la Bible dit, par lequel nous prions Abba Père. C'est-à-dire, il est notre Père, Dieu est notre Père. Et vous savez, les enfants ont une certaine assurance devant leur Père. Parce qu'ils savent que c'est leur Père. Et c'est par le Saint-Esprit que tu as cette assurance-là d'aller vers le Père et demander. Et le Saint-Esprit dans la prière est là pour mettre le sceau. Il dit approuvé. Alléluia. Il dit approuvé. Deuxièmement, le Saint-Esprit est comme un feu. Dis avec moi feu. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il a l'image de feu. Quand tu pries, le Saint-Esprit, son rôle aussi, c'est d'amener le feu dans ta prière. Comme je l'ai dit, bien-aimé. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour amener un feu. Il est là pour amener le feu. Alléluia. Plusieurs fois dans la Bible, nous avons vu comment est-ce que les hommes de Dieu ont appelé le feu parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, il se révèle aussi comme un feu. Ta prière sera efficace lorsque tu auras le Saint-Esprit. Une intercession sans le Saint-Esprit est une intercession inefficace. L'intercession n'est pas la prière à moto. Et ça moto pour l'obité. Mais ça moto pour moli mon sang à salir. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de continuer, comme je te dis, avec simplicité de cœur, aspire au Saint-Esprit. Aspire qu'il soit présent dans ta vie. C'est le meilleur ami que tu peux avoir. Lorsqu'il vient dans ta vie, il te fait une flamme de feu. A ce commissaire moto. A ce commissaire somme. Nous disons que dans la plaque, ce qui va pélisser en côté. Mais ce qui va pélisser en gaga, à coco vandate. Beaucoup de choses subsistent dans ta vie parce que tu ne sais pas prier. Par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Il est là pour apporter le feu. Il est là pour amener le feu. Et le Saint-Esprit a aussi cette image. Le Saint-Esprit est comme un vent. Alléluia. Dis avec moi vent. Dis avec moi vent. Le mot vent ici c'est pneuma ou roua. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, dans ta prière, aïe capé le col à mon bébé. Mon bébé est capable de picola ma montagne. Qu'on picola ma problème. Résoudre les problèmes les plus difficiles. Les choses résistent dans ta vie parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 37, esprit qui souffle de quatre vents. Il souffle de quatre vents. Bien-aimé, je suis na zongi. Na zongi anda kuna dirigé vers terminus. Na monita la pano munene kabamba ta ya pano. Na talengo e gumba ni boy. Na tuni anja kitaka gumbia ngobeni. Tu sais qu'est-ce qui s'était passé? C'était le vent qui a su briser cela. Alléluia. Que cela veut dire? Quand tu pries, le Saint-Esprit est capable de briser tes problèmes. Quand kumba ba problème non a kumbia ngo. Omuli ba ya kambalwa na kumba yo. Donc Saint-Esprit a la capacité de kumba problème na yo. Ya ko briser ngo, ya ko picola ba problème na yo parce que c'est un vent. Quand tu l'appelles, quand tu pries par l'Esprit, quand tu pries avec l'aide du Saint-Esprit, tes problèmes ne vont pas résister. Atami si ça n'a pas de sakine. Pourquoi l'élo n'a pas de sakine?
Parce que le Saint-Esprit vient aussi comme un vent. De la même manière aussi, lorsqu'un fer va changer la moto, si tu auras la possibilité de faire quoi? Quand tu pries avec le Saint-Esprit, il va briser tous tes problèmes. Alléluia. Il va briser tous tes problèmes. Parce que le Saint-Esprit est là pour te communiquer la puissance de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut aussi dans notre cœur lorsque nous prions? Je vais terminer par là. Je sais qu'il y a beaucoup d'orateurs qui vont nous prêcher. On court vers le temps. On doit vous mettre en sécurité. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par cela. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Romains que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu pries, la place du Saint-Esprit dans ta prière, c'est de placer aussi l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. On ne peut pas intercéder sans avoir la compassion de la personne auquel on prie. C'est sur base de la compassion qu'on peut prier pour quelqu'un. Imaginez tel que je suis là, je suis un homme marié, j'ai mes problèmes, j'ai mon enfant. Il doit grandir, je dois prier pour lui. Attends bien, n'abécola bien. Basimbayete. Alléluia. Mais j'oublie ma famille pour me concentrer. Donc, je dois avoir l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te communiquer cet amour, cette passion, cette volonté de prier pour les autres. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas d'amour pour intercéder. Et vous savez, j'ai compris une chose. L'amour du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous donne est un amour inoxydable. Dis avec moi, inoxydable. C'est-à-dire un amour qui ne se corrompt point. Vous savez, le fer est oxydé par l'air. La chose qui oxyde le fer, c'est l'air ou pépé. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13:13. Si tu parles en langue, tu parles en langue des anges, tu fais beaucoup de choses, mais si tu manques de l'amour, tu seras comme de l'airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Donc, une personne qui n'arrive pas à mettre de l'amour dans sa vie, peu importe l'onction qu'il a, peu importe le don qu'il a, parce que le Saint-Esprit est là aussi pour communiquer les dons, cette personne ne pourra pas résonner correctement, ne pourra pas donner un bon son. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'amour. Et les reins, c'est quoi? C'est le fer. Et la chose qui corrompt le fer, c'est quoi? C'est l'air. Parce que l'air, le fer est oxydé par l'air. Et la Bible appelle le Satan dans Éphésiens qu'il est le prince de l'air. Quand il vient dans ta vie, il souffle dans ta vie, il est là pour corrompre ton cœur. A oxydeo, au sans forme. Alors le rôle du Saint-Esprit est là pour te donner un amour qui n'est pas oxydé par le diable. Parce qu'il est là. Au moins, il y a la volonté au linga. Au ram, pépé, au lingete. Au lingete. Il y a qu'un sarani. Pépé, ma bé. Si au moins, il y a un thème, tu veux faire du bien à quelqu'un. Au moins, il y a l'homme de Tindo, ça, ma bé. C'est le diable, c'est pas Dieu. Parce qu'on l'appelle le prince de l'air. Or, l'air est là pour polluer. Alléluia. Mais l'air, toi, nous avons besoin. C'est le vent du Saint-Esprit. Lui, quand il vient dans ton cœur, c'est pour te donner le fardeau. Du reste, il n'y a pas grand fardeau si cela ne vient par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier constamment. N'arrivent pas à rester pendant de temps de prière, en train de prier pour la nation, en train de prier pour l'église, en train de prier pour le pays, pour ceux qui sont malades. Combien de temps tu prends pour prier pour quelqu'un que tu ne connais pas? Tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu manques d'amour. Ce soir, nous allons prier pour que le Saint-Esprit, par la flamme de Dieu, amène encore l'amour dans nos cœurs. La place du Saint-Esprit dans la prière, c'est de donner aussi l'amour pour prier pour les autres. Alléluia. La prière, certes, c'est notre premier choix. La prière nous donne la puissance.
Mais cette puissance nous vient du Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Une personne attristée ne sera pas très efficace dans ta vie. Dans ta vie, tu remarques que le Saint-Esprit n'est pas efficace parce que tu l'attristes. Et la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le mot éteindre ici, c'est sbemouni, sortir du feu. À chaque fois que tu éteins le Saint-Esprit, tu sors du feu. Tu sors de ce feu-là capable de changer des vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons nous lever, nous allons prier. Je sais que Dieu va nous accorder encore beaucoup de temps pendant cette semaine avec différents serviteurs de Dieu. Ne manque pas un jour.